Camille Lellouche, bientôt maman. La complice de Tech fait une révélation de taille. Depuis le 17 mai dernier, Camille Lellouche ne cache plus sa grossesse. Mais elle tarde encore à parler de son compagnon. Pourrait-il s'agir du chanteur Tech? Ils font ensemble une grande annonce. Camille Lellouche a surpris ses fans en annonçant être enceinte. En effet, elle sait être discrète quand il s'agit de sa vie privée. Ainsi, aucun de ses fans n'avait deviné qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Ils étaient donc légion à estimer avoir manqué plusieurs épisodes en réagissant à cette merveilleuse annonce. Car une fois la surprise passée, c'est évidemment une nouvelle qui les réjouit de savoir que leur artiste favori porte la vie. Chanteuse, humoriste et actrice, Camille Lellouche s'apprête donc à exercer un métier dont on dit qu'il est le plus beau du monde, celui de maman. Mais n'allons pas croire que la grossesse de la jeune femme l'empêche de mener à bien sa carrière d'artiste à multiples casquettes. Elle s'est notamment rendue au festival de Jamel Debbouze, le Marrakech du Rire, le 15 juin dernier. Et plus récemment encore, c'est avec le chanteur Tech qu'elle faisait une annonce musicale. Cependant, Objet Joe ne vous cache pas que sous couvert d'annonces professionnelles, les fans de Camille Lellouche restent particulièrement attentifs pour démasquer l'éventuel compagnon de la star. En effet, bien que cela relève de sa vie privée, il meurt d'envie de connaître l'identité de l'élu de son cœur. Les soupçons se portent donc, pour le moment, sur ses proches collaborateurs. Camille Lellouche attend une petite fille, qu'elle aime tant déjà. C'est de cette manière que notre vedette favorite a annoncé sa grossesse à son public. Elle publiait, ce 17 mai dernier, une photo d'elle de profil. Mais le cadre de l'image se concentrait sur son ventre arrondi. Une main posée sur sa belle bedaine et l'autre qui porte, juste à côté, une paire de baskets si petites que la paire tient dans la paume de sa main. Et autant vous dire qu'avec sa petite taille, Camille Lellouche n'a pas de grandes mains. Avec une telle photo, impossible de se méprendre. Mais c'était une véritable surprise pour le public de Camille Lellouche. Alors, certains de ses abonnés osaient se demander si elle n'était pas en train de leur faire une blague. Heureusement, la majorité des abonnés à son compte Instagram ont eu la bonne réaction, celle qui consistait à la féliciter pour cette heureuse événement. En sorte de ne dévoiler que le strict minimum en ce qui concerne sa vie privée. La jeune femme régale donc ses abonnés de sketchs hilarants sur le fait d'être enceinte, mais silence radio sur le papa de sa fille. Alors, les internautes mènent une enquête de fond. Une annonce de la chanteuse, main dans la main avec Tech. En regardant son compte Instagram sous tous les angles, plusieurs indices sont apparus sous les yeux des fans de Camille Lellouche. Tout d'abord, il est certain qu'elle n'a pas décidé de faire un enfant toute seule. La star est en couple, et elle veille à cacher l'identité de son compagnon.
Ensuite, il apparaissait dans l'une de ses stories, que son amoureux soit de confession musulmane. Lors d'une vidéo, elle précisait que c'était l'heure de la prière, et plaisantait sur le fait de faire partie d'un couple mixte. Ensuite, l'attention des fans de Camille Lellouche s'est portée sur les hommes avec qui elle travaille. Sur la longue liste de ses amis et de ses collaborateurs, ils sont nombreux à être inconnus du grand public. Néanmoins, les internautes retenaient Kev Adams, et grand corps malade sans trop de conviction. Enfin, c'est le chanteur Tech, qui devenait le suspect numéro 1. En effet, la chanteuse et lui viennent de sortir le tube de l'été. Une chanson romantique qui s'adresse à tous les amoureux. Un tube qui peut nous faire danser comme nous permettre de déclarer notre flamme à l'élu de notre cœur. Faut y voir un message. Lorsque Camille Lellouche et Tech chantent ce morceau si symbolique ensemble, Objectio ne saurait vous le confirmer. Mais nous pouvons vous dire que c'est en tout cas ce que pense une bonne partie des internautes.